Bien, je pense que si tout le monde est installé, je vais pouvoir ouvrir cette session, cette dernière session de l'année. Tout d'abord, donc, Pauline Martin, première vice-présidente, va faire l'appel et puis ensuite, nous passerons au discours. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Marie-Laure Beaudoin est-elle présente ? Laurence Bellet, Christophe Bouquet, Thierry Braquemont, Christian Brault, présent. Francis Camal, présent. Christophe Chailloux est excusé à donner pouvoir à Madame Lorme, Baptiste Chapuis, présent. Grégoire Chapuis, présent. Marie-Agnès Corroy, Aude Denisot, présent. Marianne Dubois est excusée à donner pouvoir à Marc Godet, Nelly Durie, présent. Lynne Fleury, présent. Jean-Pierre Gabel, Anne Gabory, présent. Mathieu Gallois, présent. Florence Galzin, Marc Godet, présent. Hervé Gora, présent. Alain Grandpierre, Karine Arribé, présent. Nadia Labadie, présent. Isabelle Lançon, Ariel Lévy, présent. Farah Loiseau, Hélène Lorme, présent. Gérard Malbeau, présent. Pauline Martin est présente, Corinne Melzassar, présent. Jacques Mézas, présent. Frédéric Nérot, présent. Sophie Pellatte, Hugues Rimbourg, présent. Ludovine Ravelot, présent. Jean-Luc Riglet est excusé, il a donné pouvoir à Anne Gabory, Hugues Sory, Vanessa Slimani, présent. Christine Tellier, présent. Dominique Trippé, présent. Philippe Vacher, présent. Et Jean-Vincent Valliès est excusé à donner pouvoir à Madame Slimani. Monsieur le Président, vous avez largement le quorum. Bien, merci. Donc il nous faut désigner un secrétaire de séance et je vous proposerai le nom de notre Benjamin, Ariel Lévy, si vous en êtes d'accord. Et puis, pour vous dire que le procès-verbal ne sera adopté que la prochaine session, parce que là, les services n'ont pas eu le temps matériel de le préparer. Voilà, mes chers collègues. Tout d'abord, je voudrais avoir une pensée pour Jean-Luc Riglet, notre collègue qui a perdu son père la semaine dernière et les obsèques avaient lieu hier. Donc, il est dans la peine, comme toute sa famille. Donc, nous avons une pensée pour lui. Je pense qu'il essaiera, enfin, il sera présent demain. En tout cas, il nous l'a signalé. Voilà. C'est avec plaisir que je vous accueille ce matin dans cet hémicycle à l'occasion de cette dernière session de l'année 2022. Une année particulière où se mêlent à la fois des sentiments d'angoisse et de lassitude. Sentiment d'un long tunnel dont on a du mal à voir le bout. Heureusement, encore une fois, la magie de Noël sera ce moment un peu en dehors du temps, durant lequel on suspend ce rythme effréné du quotidien auquel nous sommes tous confrontés. Un moment de partage en famille, entre amis. Un moment aussi solidaire, tel que l'a souhaité le département, en valorisant les structures d'insertion et en donnant des idées de cadeaux vertueux et utiles socialement à travers une page internet dédiée noelsolidaire.loiret.fr. Notre hall a été une nouvelle fois ouvert pour un Noël solidaire, en partenariat cette fois-ci avec le Secours Populaire. J'ai eu ainsi l'occasion d'accueillir sa présidente avec Pauline Martin la semaine dernière. Le mois de décembre, c'est aussi le mois durant lequel on réalise le bilan de l'année, mais aussi au cours duquel on se projette sur les 365 prochains jours. L'année 2022 s'inscrit finalement pleinement dans la continuité des années 2020 et 2021. Des crises internationales se succèdent, avec des impacts conséquents sur les habitudes de nos concitoyens, entraînant des changements sociétaux certains. Les préoccupations sont multiples. La gestion de la fin de crise épidémique du Covid, quoique... On voit bien qu'il y a une reprise cet hiver. Et donc, parallèlement, l'arrêt des aides liées au plan de relance pour les entreprises. La violation du droit international et l'enlisement d'un conflit armé sur le sol européen. L'installation d'une forte inflation depuis plusieurs mois. Des pénuries massives en termes de recrutement dans tous les secteurs de l'économie. Des problématiques en approvisionnement d'énergie. Mais la réalité montre que les défis pour 2023 resteront encore nombreux. 2023 sera le temps du remboursement par les entreprises du prêt garanti par l'État. Et la baisse de la production industrielle se profile déjà. Le prix de l'électricité, qui continue à s'envoler, aura des conséquences directes sur l'activité et sur la vie des Français. À cet égard, je vous informe que la mission prévention sécurité, la MIPRES, qui est ici dans nos services, travaille en interne avec l'ensemble des directions pour se préparer aux coupures d'électricité annoncées par le gouvernement.
S'il existe bien une note de Madame la Première ministre prévoyant la gestion de crise en cas de survenue d'une mesure de délestage électrique programmée, c'est comme ça qu'on dit, je ne vous cache pas que la mise en œuvre relèvera davantage du casse-tête. Comme souvent, ce seront les collectivités locales et notamment les maires qui seront en première ligne, Madame la Présidente. Même si on a l'impression que les nuages s'amoncellent, il est crucial que la puissance publique garde le cap et joue son rôle à la fois d'amortisseur de la crise et d'investisseur ambitieux pour faciliter cette reprise. C'est dans cet esprit que Christophe Bouquet, rapporteur général du budget, vous présentera nos orientations budgétaires. Alors pour 2023, l'incertitude budgétaire provient de la poursuite de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt. L'objectif recherché est alors de maintenir les efforts importants en termes de solidarité. Les dépenses d'hébergement, notamment, seront en hausse de plus 7,8% en 2023, atteignant 123 millions d'euros, principalement sous l'effet des mesures volontaristes de la protection de l'enfance. À noter encore cette année, une augmentation des charges de personnel de près de 4%, alors même qu'en 2022, nous avons déjà consenti une hausse de plus de 7%, et cela pour garantir la mise en œuvre de nos politiques sociales sur l'ensemble du territoire loirétain. Et dans cette période d'incertitude, comme l'ensemble des intercommunalités, nous sommes également tenus de renforcer notre contribution au service départemental d'incendie et secours. Pour le département, ce sera en 2023 une hausse de 13,7%. Les sapeurs-pompiers sont en effet en première ligne face aux bouleversements que notre société est en train de vivre. Changement climatique, crise sanitaire et sociale, augmentation des phénomènes de violence au sein de la population et même à leur encontre. Et je salue tout particulièrement le contrôleur général Fuchs, qui est ici présent avec nous. L'activité opérationnelle du SDIS du Loiret, en augmentation en 2022, atteint plus de 45 000 interventions, soit une intervention toutes les 12 minutes. Nous étions plusieurs conseillers départementaux à leur rendre hommage à l'occasion de la Sainte-Barbe départementale, samedi dernier, au centre de secours d'Orléans-la-Source. J'ai ainsi rappelé le lancement d'un plan de recrutement inédit. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers sur 3 ans, si le nombre d'interventions ne fléchit pas de façon significative. Et malgré cela, il nous incombe de garder le cap. C'est pourquoi, tout en poursuivant les efforts de gestion nécessaires à la préservation de notre modèle, nous vous présenterons une politique d'investissement, quant à elle, toujours aussi soutenue, à hauteur de 157 millions d'euros, afin de continuer de répondre aux besoins des territoires et des Loiretains. Investir pour l'avenir, pour les prochaines générations, pour nos enfants, voilà le rôle du décideur public. Imaginez le Loiret dans 10, 20 ou 30 ans. Anticipez les futurs obstacles. Développez les nouveaux atouts. Plus encore, en période de crise, il est nécessaire d'aller de l'avant et de donner du sens à l'action publique. Mes chers collègues, cette session sera particulièrement riche en nouveaux projets. C'est d'abord dans le domaine de la santé que nous accélérons notre action. Nous étions présents avant-hier à la réunion du Conseil national de la refondation à Chamerolles sur le thème de la santé avec Madame la préfète, le directeur de l'ARS et de nombreux élus locaux et professionnels. À travers ce plan Priorité Santé Loiret 2023-2027, le département entend prendre toute sa part dans l'indispensable lutte contre la désertification médicale. Laurence Bellet et Lynne Fleury insisteront demain sur les 4 axes stratégiques qui vont nous animer ces prochaines années. D'abord, favoriser l'accès aux soins pour les Loiretains avec la généralisation d'un numéro de téléphone pour les soins non programmés, ainsi qu'une offre de soins itinérante en partenariat avec les CPTS. Deuxièmement, créer un CAP Loiret Santé, sur le même modèle que notre outil d'ingénierie territoriale, que vous connaissez tous, CAP Loiret. Il s'agira de mettre en place un véritable accueil de premier niveau pour tous les professionnels et les étudiants qui s'installent dans le Loiret. Puis nous travaillerons à faire du Loiret une terre de formation en accompagnant le développement de l'offre d'enseignement ainsi que le soutien des étudiants par des bourses. Cela en échange d'un exercice de la médecine dans le Loiret. Enfin, nous renforcerons la promotion du bien-être et du bien-vivre dans notre département à travers une grande campagne d'attractivité. D'ailleurs, à cet égard, vous serez amené à étudier le nouveau schéma départemental touristique qui se traduira par une nouvelle convention avec Tourisme Loiret. Si se faire soigner est un droit fondamental pour tous, celui de se déplacer l'est tout autant. Mes chers collègues, il y a un peu plus d'un an, vous aviez accepté, et à l'unanimité, de lancer une étude sur les mobilités durables.
À partir des résultats de l'enquête réalisée depuis avril dernier et menée auprès du territoire, le département a élaboré un schéma départemental de mobilité sous la houlette d'Hervé Gora. Je tiens d'ailleurs à saluer ici Michel Bréfi, qui est présent ici, donc dans le public. Michel Bréfi nous a parlé depuis très longtemps, depuis 2004, il nous a constamment parlé du vélo. À l'époque, on ne le prenait pas toujours au sérieux, puis finalement, vous verrez que notre schéma des mobilités laisse une belle place au vélo. Pour que cette proposition soit particulièrement novatrice et ambitieuse, le schéma doit se transformer dans les faits en des modalités de circulation très pratiques et concrètes pour répondre aux besoins de nos habitants, covoiturage, véloroute, car, train, etc. Nous savons que cela va demander du temps, de la concertation et un fort investissement aussi, mais nous le ferons. Dès le début de l'année, nous rencontrerons les uns après les autres l'ensemble des acteurs publics et privés concernés par les mobilités, au premier rang desquels les présidents d'intercommunalités. J'ai également sollicité récemment le président de la région afin d'avoir plus de lisibilité sur les calendriers de réouverture des voies ferrées Orléans-Chartres et Orléans-Châteauneuf-sur-Loire. En effet, deux communes, Patay et Saint-Denis-l'Hôtel, pourraient ainsi devenir, dans ce cas, des nœuds multimodaux importants. Voilà plusieurs décennies que ces projets sont évoqués, mais nous n'avons toujours pas de certitude sur les délais de réalisation. Le sujet de la mobilité est au cœur de beaucoup de politiques publiques. Elle est indispensable dans l'accès aux soins comme dans l'accès à l'emploi. À cet égard, parce que ça reste aujourd'hui l'un des freins majeurs à l'insertion professionnelle des publics en difficulté, et notamment des bénéficiaires du revenu de solidarité active, Pauline Martin nous proposera aussi d'entériner la création d'une plateforme départementale de mobilité inclusive. Il s'agit de continuer à s'inscrire dans notre stratégie de lutte contre la pauvreté engagée depuis plusieurs mois maintenant. Pour finir sur la question des mobilités, il est évident que face à l'augmentation du prix des carburants, l'épuisement des ressources fossiles et pour répondre à la volonté de s'engager vers une société décarbonée, ce schéma, qui propose la création d'un maillage de nœuds multimodaux, devrait bousculer nos habitudes de déplacement actuelles. Comme vous le savez, le département du Loiret porte une politique environnementale volontariste avec l'objectif de réduire ses émissions de 25% à l'horizon 2030. En termes d'énergie renouvelable, les choses se précisent. Nous étions réunis lundi avec Jean-Luc Riglet, Anne Gabory, Philippe Vacher, Hugues Grimbourg devait être avec nous, mais il n'a pas pu malheureusement, pour l'Assemblée générale constitutive de la nouvelle société anonyme d'économie mixte locale baptisée Loiret Énergie. Cette nouvelle démarche conduite avec nos partenaires, la Banque des Territoires, le Crédit Agricole Loire Énergie Renouvelable et la Caisse d'épargne Loire Centre permettra une levée de fonds de près de 50 millions d'euros pour développer la production d'énergie photovoltaïque via la construction de centrales au sol, d'ombrières ou de panneaux en toiture. La création de réseaux de distribution via l'installation de bornes de recharge électrique ou d'hydrogène sera aussi envisagée. D'autres projets seront étudiés, notamment la création d'un électrolyseur afin de produire de l'hydrogène sur le parc de la zone de la Saussaie à Saint-Cyr-en-Val. Nous serons amenés, évidemment, à travailler avec la métropole qui porte un projet identique dans le même secteur. Cet exemple à lui seul, Loiret Énergie, montre le niveau d'ambition que nous souhaitons porter pour le territoire et ses habitants. Investir, c'est faire partie de l'avenir. Ainsi, nous serons amenés à étudier l'attribution du volet 4 de la mobilisation du département en faveur des territoires. Alors, seront sélectionnés des projets portés par les communes ou par les EPCI, qui ont tous une vocation à rayonner sur le plan départemental, à le structurer et à renforcer cette attractivité dont nous avons tant besoin. Quand je parle d'investissement pour l'avenir, je pourrais aussi évoquer l'engagement en faveur de la réussite éducative des collèges loiretains. C'est Florence Galzin qui nous soumettra des subventions au dispositif Passerelle et à l'association Amara 45. Il en est de même pour Christian Brault lorsqu'il nous parlera d'habitat partagé et inclusif pour nos anciens. Il s'agit bien là d'un sujet à prendre en compte dès maintenant. J'échangeais encore très récemment avec le directeur général de l'hôpital d'Orléans, avec Olivier Boyer, sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes à leur sortie d'hospitalisation. Le secteur hospitalier s'inquiète fortement pour demain face au phénomène de vieillissement de la population qui va s'accélérer dans les prochaines années à compter de 2025-26 et durant une quinzaine d'années, puisque vous le savez, nous aurons, après avoir eu le papy-boom après la guerre, nous aurons le papy-boom, on a eu le baby-boom, on aura le papy-boom bientôt devant nous.
Vous le constaterez, mes chers collègues, cette session s'annonce riche et passionnante. De beaux sujets sont à l'ordre du jour et doivent nous redonner confiance et surtout envie de le faire. Je lisais récemment dans la presse quotidienne régionale que, alors je cite, « la France serait gagnée par la flemme », que les lieux festifs seraient désertés, qu'il y aurait un repli sur la sphère privée, des réticences à l'effort et la place du travail relativisée. Que le moral de chacun soit plutôt au plus bas qu'au plus haut, c'est une certitude. L'année 2022 aura été particulièrement perturbante dans la lignée des deux années précédentes marquées par le Covid. À nous de trouver du sens dans notre action, que ce soit pour nous-mêmes, pour nos agents, mais surtout pour nos concitoyens. La puissance publique et particulièrement les collectivités locales démontrent au quotidien sa capacité à agir dans la proximité sur les territoires au service des habitants. Je voulais vous adresser aujourd'hui ainsi qu'à l'ensemble des Loiretains un message d'espoir et de détermination. Ainsi, malgré les difficultés ou les obstacles que l'on voit poindre à l'horizon, restons persuadés que l'avenir nous appartient et c'est ensemble que nous continuerons à dessiner le Loiret. Je vous remercie. Et je vous laisse la parole, bien entendu, Hélène Lorme. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus. En ouverture de cette session, et outre le contexte international auquel vous faites référence dans l'introduction du débat d'orientation budgétaire, il est effectivement important de rappeler le contexte national et les conséquences des choix faits par l'État à destination des collectivités locales. Ceci nous permettra effectivement d'être plus clair et plus Ceci nous permettra d'être plus clair et plus précis possible sur l'analyse de la situation du département du Loiret. Tout d'abord, les décisions de l'État qui bénéficient à nos agents et que nous ne pouvons que saluer. Contrairement aux décisions insuffisantes sur la question de la DGF et le débat sur l'indexation de cette dernière sur l'inflation. Il est indispensable que les collectivités, dont les départements, puissent conserver une capacité à agir et à mener à bien leur mission. Ainsi, avec des budgets contraints par beaucoup de facteurs exogènes, des orientations budgétaires doivent refléter vos choix. C'est ce qui manque dans ce que vous nous présentez. Quelles évaluations avons-nous pour cela ? C'est une remarque que nous avions déjà faite et qui est d'autant plus essentielle dans les contextes que nous connaissons. C'est pour cela que nous avions demandé la mission d'information et d'évaluation sur la protection de l'enfance. Qu'en est-il des autres politiques départementales ? Sans être exhaustif, l'insertion des plus fragiles, l'analyse de notre politique jeunesse, quelques années après la mise en place du plan Agir pour nos jeunes, alors même que nous savons que dernièrement, notre jeunesse a été rudement éprouvée. Qu'en est-il du bilan Loiret bas carbone, un an après le vote, dans un contexte énergétique différent de celui qui existait au moment du vote de ce plan ? Qu'en est-il de l'évaluation et du suivi de nos actions en matière de santé, alors que le rapport de la Chambre régionale des comptes explique que le département ne suit pas suffisamment l'efficacité des dispositifs et leur cohérence d'ensemble par rapport aux objectifs poursuivis ? Sur de nombreux domaines, nous aurions aimé avoir les éléments qui vous ont permis d'orienter ce budget. Ces éléments structurants sont indispensables à la construction de nos budgets. Ils ne sont pas suffisamment visibles dans ce que vous nous proposez. C'est à partir de ces différents éléments de bilan, ainsi que nos besoins dans des périodes complexes, que nous aurions voulu échanger pour bénéficier de plus de clarté dans les choix politiques qui seront faits en 2023. Cette clarté, elle est aussi indispensable auprès de nos citoyens pour qu'ils comprennent les politiques menées, les choix qui sont réalisés, et pour qu'ils identifient les différents acteurs et leurs compétences. Outre le DOB, parmi les sujets à l'ordre du jour, il y a le schéma des mobilités et le plan de démographie médicale, qui sont deux sujets qui dépassent les simples compétences départementales. Et il faut prendre garde à travailler en cohérence et en concertation avec les autres collectivités locales qui agissent en la matière, qui ont les compétences concernées, que ce soit les communes, les intercommunalités et la région. Et nous y reviendrons lorsque nous échangerons sur ces rapports. Nous craignons un manque de concertation et de clarté. Ce n'est pas une remise en cause des actions en elles-mêmes, de l'envie du département d'avancer sur des sujets importants, mais simplement d'attirer votre attention que plus on sera clair, plus on mènera ces politiques en concertation, plus on sera efficace. Merci, Monsieur le Président. Merci. Alors, sur toute la première partie de votre discours, j'avais l'impression que c'était moi qui parlais. Donc, ah ben, je vais...
Voilà, c'est pour ça. Bon, mais tout à fait d'accord avec vos propos du départ. Effectivement, alors sur la santé, la Chambre régionale des comptes a fait une évaluation, effectivement. C'est une bonne évaluation de notre politique publique, mais c'est 2017-2021. Donc depuis 2021, il s'est passé beaucoup de choses. Et justement, notre plan Loire et Santé vient corriger et vient justement répondre parfaitement aux questions de la CRC. Sur les autres politiques, bon, la stratégie bas carbone, oui, il y a une évaluation qui va être faite, évaluation annuelle. Donc, c'est Guillaume Bartoli, sous la houlette de Sandrine Gérard, qui travaille sur ce sujet. Donc là aussi, on sera en capacité de dire on est sur une bonne tendance ou on est un peu au-dessus ou en dessous, ça m'étonnerait. Voilà, sur la transparence, enfin sur la clarté indispensable, je pense que la transparence, elle existe ici au département quand même. Je pense que toutes nos politiques sont expliquées, elles sont, il y a de la communication et puis il n'y a rien de dissimulé. En tout cas, ça, j'y tiens et j'espère qu'on est dans le bon chemin. Sur les mobilités des démographies médicales, oui, effectivement, la loi NOTRe a voulu mettre les compétences sur les collectivités. Je trouve que c'est une erreur parce que, à la limite, la compétence générale, je la regrette, puisque comme ça, on pouvait intervenir sur tous les sujets. Et il ne faut pas se priver d'intervenir. Moi, j'attends aussi qu'on me dise ben non, vous n'avez pas le droit d'aller sur la mobilité parce que c'est réservé à telle collectivité, vous n'avez pas le droit d'aller sur la démographie médicale parce que c'est telle autre. Non, on a notre rôle à jouer aussi dans le cadre de la solidarité territoriale. Je pense qu'on peut mettre beaucoup de choses dans la solidarité territoriale. Donc, moi, effectivement, je pense qu'on peut agir et on agira d'ailleurs, à moins qu'on nous dise que ce n'est pas légal. Mais ça, je n'y crois pas. Je pense qu'il ne faut pas se donner de limites. Voilà, et puis sur les cohérences avec donc les communes, il n'y a pas de souci, on est en lien avec les communes en permanence. J'ai même ma voisine d'hémicycle qui connaît bien les communes et les EPCI, puisqu'elle en préside l'association. Et donc les relations sont permanentes avec les maires et avec les EPCI, ne serait-ce qu'à travers nos conseillers départementaux sur le territoire. C'est l'avantage de notre collectivité, c'est d'avoir des conseillers départementaux sur un territoire. Ils sont sur un canton, donc ils sont en contact direct avec les communes, avec la population et avec les EPCI. Avec la région, c'est vrai que peut-être que ça aurait été bien qu'on ait le conseiller territorial à une époque, puisque vous seriez ici, à la fois ici en tant que conseiller départemental, puis vous seriez dans le même temps à la région pour les compétences régionales. Ça aurait été bien si cette loi n'avait pas été... Et puis jusqu'à son terme. Je crois qu'en 2012, il y a eu une rupture assez brutale. Et donc, ce conseiller territorial n'a pas pu voir le jour. C'est dommage. Voilà. Et parce qu'il y aurait eu peut-être encore plus de cohérence. Voilà. Donc, voilà pour ma réponse. Eh bien, Pauline Martin. Juste rebondir sur la problématique de la mobilité et de la concertation ou du travail complémentaire que peuvent faire les collectivités. Vous me voyez venir avec mes gros sabots. Il est quand même à regretter foncièrement que concernant les EPCI qui ont pris la compétence mobilité, la région ne souhaite pas collaborer avec ces structures. C'est peut-être aussi le rôle du département d'assurer ce lien et cette collaboration sur un certain nombre de projets sur les territoires. Ouais, c'est un peu technique, mais c'est bien le cas. Alors, j'avais Christine Tellier, Hugues Sory et Dominique Trippé. Pardon. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, ce propos d'introduction comportera trois points, mais toutefois très rapide, je vous l'assure, le plus rapide possible. Le premier concerne là aussi le plan de mobilité, pour lequel je serai très bref, puisque mon binôme Hugues Rimbourg y reviendra plus amplement lors de l'examen de la délibération qui est consacrée. En substance, le plan nous semble insuffisamment détaillé sur le volet des transports électriques et des actions s'y rapportant, tant en infrastructure qu'en support d'aide aux Loiretains les plus fragiles et aux professionnels les plus précaires, comme les aides à domicile. Et oui, j'y reviens encore, j'y reviens toujours, car c'est un sujet crucial, y compris pour la politique de mise en œuvre du 100% inclusif, dans lequel on inclut le maintien à domicile. Les professionnels de ce secteur pourraient bénéficier de véhicules électriques fournis au SAD par le département à cet effet. Ceci représenterait un vrai coup de pouce du pouvoir d'achat pour ces personnes, souvent des femmes en plus ou moins grandes difficultés financières, mais qui, pourtant, doivent assumer seuls tous les frais de transport et de carburant. J'exagère en disant ça, puisqu'évidemment, il y a des frais au kilomètre, mais qui sont bien loin de prendre en compte l'inflation, notamment sur les carburants.
Le deuxième point concerne l'Europe 2023. Je reviendrai au moment du débat sur plusieurs remarques et observations que nous souhaitons faire, mais je souhaite d'ores et déjà exprimer notre préoccupation sur le bon partage des informations et la complétude du ROB afin d'avoir un débat éclairé et de bien comprendre la stratégie financière proposée pour pouvoir en débattre de manière réelle, réaliste et constructive. Comment agir pour le bien des Loiretains tant qualitativement que quantitativement ? C'est bien cela dont il s'agit, in fine, lorsque l'on parle de l'argent public que gère le département. Le troisième et dernier point va venir donner un peu d'élan à ce que vous disiez, Monsieur le Président, tant à propos du plan santé que du sens de notre action. Je vais me permettre de le développer immédiatement. C'est un sujet absolument essentiel pour l'avenir, tant pour les dépenses publiques que pour son impact sur la vie des Loiretains. Cohérent avec la volonté consensuelle de tous les politiques de passer, quel que soit le sujet, du curatif au préventif, et bien entendu pour la santé, pour à peu près tous les sujets de société, et pas seulement celui-ci de la santé, il s'agit de la prévention. La prévention est sans conteste un enjeu majeur et une compétence partagée des collectivités territoriales et de l'État. Effectivement, les obligations en la matière du département doivent s'exercer tout au long de la vie des Loiretains et dans l'exercice de chacune de ces compétences, dès la naissance et pour la petite enfance avec la PMI, pour l'enfance protégée avec l'ASE, auprès des collégiens préadolescents, notamment prévention des addictions, prévention sécurité routière, auprès de tous les adolescents et jeunes majeurs par la prévention spécialisée, dont on sait qu'il reste encore des points aveugles dans l'est du département. Auprès des femmes victimes de violences et des hommes violents, des personnes porteuses de handicap et personnes âgées, de tous nos concitoyens pour la sécurité routière et sécurité civile, et il y en a d'autres probablement. Tant au regard des inégalités sociales et de la perte d'autonomie que dans le champ de l'insertion et de l'emploi, de la prévention des violences faites aux femmes, de la prévention routière, de la prévention des risques majeurs, de la prévention des risques environnementaux, etc., le département doit mener et mène des actions de prévention, mais de manière cloisonnée. Quelle est la dimension politique et stratégique globale de notre département en prévention ? De quelles informations disposons-nous ? Quelle évaluation en fait-on ? De quelles orientations stratégiques et programmation pouvons-nous décider ? La prévention implique des principes, des méthodes et des actions à différents niveaux d'intervention, c'est-à-dire aux différents stades et moments de la vie. Quelle que soit la thématique de prévention, dans des compétences du département, on peut agir à la fois sur les facteurs à risque ou sur les facteurs de protection. Ces facteurs de protection se rapportent à la qualité de l'environnement, collectivement, et au développement des compétences individuelles, psychosociales, notamment par le sport, par exemple, qui est aussi une de nos compétences. On sait maintenant identifier les leviers d'une prévention efficace, les bonnes actions au bon moment, auprès du bon public, dans son milieu de vie. Des compétences professionnelles pour la prévention avec des programmes qui ont été évalués scientifiquement. Et l'établissement d'un environnement favorable. C'est ce que veut le département, un environnement favorable, et vous le disiez, Monsieur le Président, pour du mieux vivre, de la qualité de vie dans le Loiret. Cette qualité de vie, de la naissance jusqu'à la mort, est un environnement favorable qui est un facteur de prévention majeur. C'est donc une stratégie globale qui accompagne la construction de l'autonomie de la petite enfance et des adolescents et qui lutte contre la perte d'autonomie pour les plus âgés, les personnes porteuses de handicap et les personnes fragiles, je l'ai dit. On sait que l'articulation, comme il a été dit tout à l'heure, entre tous les adultes, mais aussi entre toutes les compétences, tous les professionnels sur un territoire donné, assure l'efficacité de ces politiques de prévention. Il faudra qu'il y ait un volet prévention dans le plan santé du département. La culture est un facteur de prévention. Le plan culture ou le schéma culturel peut exister et existe. L'intérêt d'une approche globale, c'est d'établir un état des lieux des politiques engagées par le département, de repérer les besoins et les réponses à y apporter, puis de définir des priorités stratégiques pour la durée du mandat, voire les 10 ans à venir en cohérence avec d'autres planifications comme le PRS, afin de programmer et d'organiser des actions en synergie,
du département en interne dans ses politiques, mais aussi en externe avec les autres compétences publiques. C'est pour ça, pour mettre en valeur cette ambition politique, il apparaît nécessaire, voire indispensable à nos yeux, de formaliser un schéma de prévention du Conseil départemental du Loiret, transversal et pluridisciplinaire. Ce serait non seulement l'occasion de croiser les enjeux des commissions thématiques du CD sur ce sujet primordial à l'interne, mais aussi de construire un projet à valeur ajoutée pour atteindre les objectifs des différentes politiques. C'est pourquoi nous vous demandons, Monsieur le Président, la création d'un groupe transversal dédié, composé d'élus, de professionnels, voire d'un panel de citoyens tirés au sort, qui présenterait le résultat de ces travaux en assemblée plénière afin de définir, engager et valoriser la politique du Conseil départemental du Loiret. Et nous vous en remercions par avance. Bien, merci. Je reconnais bien là vos propos, je dirais, dans votre ancienne profession. Sur la prévention, effectivement. Non, la démarche est intéressante. Il y a le bon vieil adage qui dit « mieux vaut prévenir que guérir ». Effectivement, on est en plein dedans. Donc, je pense qu'on peut mener un travail. Donc ça, on essaiera de voir comment on peut s'organiser pour déjà faire un état des lieux de toutes nos politiques de prévention. Et le champ est vaste, parce que vous l'avez dit, hein, ça peut être de la prévention routière, mais ça peut aussi être de la prévention sur l'addiction et sur, après, toutes les actions qu'on peut mener auprès de la jeunesse. Donc je pense que cet état des lieux, on peut essayer de le préparer, puis on verra comment on peut faire cheminer. Je pense qu'il y a une idée, effectivement, à travailler, parce que plus on travaillera en amont de tous les problèmes, finalement, qu'on peut rencontrer, plus on sera dans la prévention, moins on aura à agir dans la partie, comme vous l'avez dit, curative. Voilà, donc sur l'Europe, l'Europe, vous savez, c'est un document d'information, de communication, l'Europe. Hein. C'est-à-dire que le budget voté fin janvier ne sera pas forcément calé de pile poil sur l'Europe. Hein. Ça, c'est, là, on a des grandes orientations et elles sont présentées par Christophe Bouquet tout à l'heure, enfin, demain. Et puis sur le schéma des mobilités, je pense que Hervé a pas mal à redire, mais sur la mobilité électrique, je crois qu'il y a une. Il en est. Oui, si vous permettez, question. Le Président, effectivement, j'irai quand on parle de mobilité, et je reviendrai sur le rapport tout à l'heure un peu plus en détail hein, par rapport à l'étude qui a été menée. Et à ce titre, quand on parle mise à disposition de véhicules, j'ai bien entendu aussi cette possibilité. Pourquoi pas, c'est quelque chose qui a été relevé hein, dans le cadre du schéma directeur, de peut-être inscrire ça sur des points multimodaux. Hein, je m'expliquerai sur ces termes aussi tout à l'heure dans la présentation du rapport. Avoir ce qu'on appelle des aires de haute qualité de service où on puisse mettre à disposition des moyens de locomotion différents et adaptés pour pouvoir se déplacer d'un point à un autre. Voilà, donc tout ça sera, envisagé, repris dans le schéma de mobilité. Et puis après, il y aura aussi, un travail qui sera fait en complément avec les territoires, hein, de manière à pouvoir peut-être recenser les points plus judicieux, plus stratégiques pour ces implantations. Voilà. Donc il y a une vraie réflexion qui est inclue dans le schéma de mobilité. Bien, merci. Donc j'avais Hugues Sory. J'ai pas levé la main, Président, mais je veux bien dire quelque chose quand même. Peut-être que tu t'es gratté l'oreille. Voilà, oui, je veux bien dire quelques mots. Donc, Président, vous avez listé un certain nombre de défis pour 2023 et vous avez souligné une forme d'incertitude de la période. Les grandes thématiques et les priorités de cette session, en tout cas, me paraissent représentatives de plusieurs crises que traverse notre pays. Et le point commun entre les différents dossiers importants que nous avons à traiter pendant cette session, ça me semble être l'État. À chaque fois, dans ces grands dossiers, l'État intervient ou aurait dû intervenir. Le premier point, c'est l'augmentation conséquente des budgets départementaux liés à la politique de protection des mineurs. Je ne sais analyser précisément les causes de l'explosion qui est nationale du nombre d'enfants confiés depuis quelques années. Alors il y a certainement plusieurs facteurs, la crise migratoire non contrôlée pour les MNA, la famille qui éclate, les carences éducatives, les violences intrafamiliales, la pauvreté, les addictions, etc., et certainement d'autres encore. Mais autant de sujets qui relèvent pour beaucoup de la politique non décentralisée.
Nous avons, me semble-t-il, de moins en moins les moyens d'accueillir le nombre en augmentation continue d'enfants confiés ou de mineurs non accompagnés. L'État ne finance plus ou mal et met les départements dans une situation impossible. Impossible matériellement et impossible humainement. L'État et la justice font porter une responsabilité énorme au département, car un jour, nous sommes susceptibles un jour d'être accusés pour un problème grave, alors que nous sommes contraints d'exercer une mission et que nous n'avons plus la capacité de l'assumer complètement dans ses proportions. Le deuxième point de croisement, c'est la paupérisation et la perte de performance de notre réseau de transport ferroviaire. La mobilité est une attente importante de nos concitoyens, notamment en milieu rural. La disparition des lignes ferroviaires locales, ce qu'on appelait autrefois le chevelu, a été une erreur majeure qui résulte de l'époque du tout-bagnole, donc ça remonte déjà à loin. Et le département, me semble-t-il, a raison de chercher à se substituer soit à un État, soit à une région, un État défaillant et une région qui reste à quai, notamment sur les lignes Orléans-Chartres et Orléans-Châteauneuf. Et au passage, sur ce sujet, je voudrais dire que la qualité de la desserte Orléans-Paris est un véritable scandale. Des jours entiers sans aucun train, des retards importants et fréquents, des informations aléatoires. Et vraiment, il y a de quoi être fortement mécontent. Le troisième point de croisement, c'est la désertification médicale. On sait tous ce qu'il en est. Et là aussi, c'est inacceptable. Nos concitoyens ont été abandonnés, soit par incompétence, soit par cynisme. Les collectivités locales se sont substituées tant bien que mal, et il faut leur en savoir gré. Et je me félicite des actions menées, et notamment les actions qui vont être lancées, le plan priorité santé Loiret et Cap Loiret Santé. Et je constate, parce que je suis souvent sollicité par cela, que l'État, de temps en temps, met aussi des bâtons dans les roues à certaines collectivités qui veulent être proactives et qui ont la capacité d'implanter des médecins, et l'État n'est pas toujours à leur côté. Il l'est parfois, mais parfois il ne l'est pas. Le quatrième point, c'est l'incapacité, vous en avez parlé également, à produire de l'électricité, électricité nécessaire au fonctionnement de notre pays, alors même que nous sommes incités, notamment dans les déplacements, à en consommer toujours davantage. Tous les experts qui sont auditionnés dans la Commission des affaires étrangères et de la défense dans laquelle je siège le disent, la guerre en Ukraine sera longue. Cela signifie que notre approvisionnement en gaz sera durablement compliqué et coûteux. Le couplage du prix du gaz et de l'électricité nous conduit à des tarifs inaccessibles pour beaucoup. Tous les rapports, dont évidemment le rapport RTE et les différents scénarios, démontrent notre incapacité à retrouver des conditions de production d'électricité en phase avec nos besoins, et notamment du fait de la politique de l'État dans le domaine nucléaire, mais aussi des énergies renouvelables pour lesquelles nous avons été beaucoup plus attentifs que d'autres pays. Et il suffit d'aller dans le Vorarlberg. Je ne sais pas si le CAUE propose encore des missions telles que celle-ci, des missions d'études. C'était le cas il y a quelques années. Et c'est particulièrement intéressant d'aller dans cette petite région d'Autriche pour voir quelle a été la politique qu'ils ont menée pour être autonomes énergétiquement. Alors très probablement, nous aurons des coupures cet hiver, des coupures électriques cet hiver et les hivers prochains, et le département doit les prévoir et doit s'organiser dans une logique de plan de continuité d'activité, et c'est ce que le travail de la mini-presse actuellement. Mais là encore, nous devons pallier à des défaillances de l'État. Alors pour conclure, et enfin après avoir pas mal critiqué, mais l'État aussi a son actif, évidemment, des réussites, et surtout, l'État fait ce que le pouvoir politique lui dit de faire. Je pense que la CRC, dont l'étude concerne pour partie une période pendant laquelle je présidais cette Assemblée, a raison lorsqu'elle pointe un manque de culture et de suivi et d'évaluation des politiques publiques que nous menons. Il me semble que nous sommes perfectibles sur ce sujet et que nous devons y remédier pour ne pas tomber justement dans les travers de l'État que je viens d'évoquer. Je vous remercie. Bien, merci pour ce propos qui remonte au niveau national, effectivement. Je partage tous les propos tenus. On a un État qui est théoriquement décentralisé, mais finalement qui ne fait que recentraliser depuis maintenant des années, sans mettre de moyens à côté pour ces politiques-là. C'est ça qui est dommage. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas croire qu'il y avait des lois de décentralisation, parce que la loi 3DS, finalement, c'est un écran de fumée. Rien ne se passe et rien ne se passera.
Donc voilà, effectivement, je pense qu'il faut en appeler. C'est le propos de notre président d'EDF, hein, de département de France, de constamment redemander un nouvel élan de décentralisation pour redonner le pouvoir aux élus locaux. Finalement, on voit bien que c'est en local qu'on agit au plus près des citoyens. Bien, merci. Donc j'avais Dominique Trippé et puis Francis Kamal. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues. J'ai écouté vos interventions avec beaucoup d'attention et j'ai quand même envie de dire en propos liminaire que nous sommes en train de payer là, maintenant, les plus de 30 ans d'attaques contre les services publics qui sont menés par les différents partis qui ont été au pouvoir. Quand même, quand j'entends parler de coupures, qui sont pour moi inacceptables, voilà, parce que nous avons privatisé EDF-GDF, parce que nous avons privatisé aussi la SNCF, nous nous retrouvons avec beaucoup moins de trains. Nous avons beaucoup moins de services publics, la fermeture des postes, des trésoreries, l'attaque sur l'hôpital, parce que quand même, ce qui a été mené ces différentes années, c'est des attaques en règle contre l'hôpital. Donc nous sommes en train de payer ce prix, et ce prix au prix fort, tous et toutes, tout parti confondu et toute personne. Quand même... Comment dire ma colère? J'entends ce gouvernement qui, sans ciller, annonce que il va y avoir des coupures d'énergie. Et comme il va y avoir des coupures d'énergie, eh bien, on va faire des coupures tournantes. Et puis, on va fermer, voilà, des écoles, des crèches. On va encore en plus arrêter la circulation de trains, alors que déjà, c'est problématique, sans se poser de questions derrière sur... Comment vont être gardés les enfants? Comment vont faire les personnes qui vont aller pour travailler alors que déjà nous sommes dans une situation sociale gravissime? Donc voilà, j'avais envie de le dire en propos liminaire. Et moi, j'avais envie de faire une intervention sur le social et ça vous ne étonnera pas à ce niveau-là. Vous le savez, depuis le début de l'année, les augmentations d'impayés de loyer, c'est plus de 20% sur tous les bailleurs sociaux. C'est des demandes qui explosent au niveau des CCAS, des demandes de l'alimentaire, des demandes pour l'énergie. Mais alors, les dernières demandes en date, c'est les demandes pour les transports. Et pour les transports, autant pour payer ses abonnements pour le train ou pour les transports publics dans la métropole, c'est les abonnements pour Keolis, mais aussi pour avoir des bons d'essence. Parce qu'il y a des personnes qui habitent dans des endroits où il n'y a pas de transport, ou alors des transports qui ne répondent pas à leurs besoins pour aller travailler. Donc ça explose. Je suis, assez dubitative par rapport à ce qui va se passer l'année prochaine. Je veux garder espoir. Vous avez raison, Monsieur le Président. Et je pense que nous devons le faire. Mais n'empêche qu'il va falloir mettre la solidarité en premier lieu dans nos politiques. Je sais que le département le fait. Mais il va falloir qu'on voit ça au jour le jour, pratiquement, par rapport à ce qui va être vécu dès le début de l'année prochaine. Moi, je vois les hausses de l'énergie, mais alors vraiment comme quelque chose d'absolument terrible pour toute la population. Notre collectivité va être impactée. Ça va être de l'argent à moins qu'on va pouvoir mettre dans nos budgets. Et dans nos budgets pour la solidarité. Et ça, c'est pas possible. Je vois des personnes qui étaient dans la précarité, qui tombent dans une grande pauvreté, les personnes qui sont au SMIC, qui n'ont aucune marge de manœuvre devant eux, qui eux tombent dans la précarité et qui n'ont droit à rien. Ils n'ont pas droit aux APL, ils n'ont pas droit au FUL, ils ont droit à rien. Et pourtant, ils sont tirés vers le bas. Et nous en sommes là. Et je dois avouer que vraiment. Je suis préoccupée pour les mois qui vont venir. D'autant plus que, vous le savez, et je l'ai demandé à nombreuses reprises, je souhaiterais qu'il y ait une mission sur le non-recours au droit, parce qu'il y a encore des personnes qui ne font pas de demande sur leurs droits à RSA, mais pas que. Et donc, il va falloir aussi qu'on s'y attelle et qu'on voit ce qu'on peut faire à leur sujet. Et donc... moi, cette crise sociale, on va se la prendre de plein fouet. Je pense qu'on va faire notre possible, mais je pense qu'il y a des moments donnés, et bien on va se retrouver un peu démunis, parce que je crois que les demandes qui vont affluer dans les départements, dans les CCAS, c'est déjà le cas, vont être, mais alors, terribles. Et moi, cette impression d'incapacité à pouvoir aider réellement au plus près et dans l'urgence nos concitoyens, moi, ça me mine. Voilà, je voulais le dire. Donc, message d'espoir, oui, de détermination, oui, parce qu'il va en falloir, et puis aussi de capacité à réagir au plus près au niveau du département.
Voilà, mes chers collègues, Monsieur le Président, ce que j'avais envie de dire. Bien. Une colère. Oui. Effectivement. Alors. Oui. Bien. Donc, pour ce qui est de l'abandon du service public, je pense que ça commence même à l'époque de François Mitterrand avec des communistes. Il y avait des communistes au pouvoir à l'époque, il me semble. Il y a quelques élus, quelques ministres. Je me souviens de Fitterman. C'est loin, hein, Nicolas Leporche, tout ça. Ouais, c'est. Puis après, ça a continué aussi. Après, en 2012, ça a continué aussi. Hein. Entre 2012 et 2017, il y a eu. Vous étiez pas loin. Vous étiez cautionnaire du gouvernement. Oh, un petit peu quand même. Bon, voilà. Donc, effectivement, c'est une vraie question. Et on en parle souvent avec Hervé Gora. D'ailleurs, à l'occasion de notre schéma, diagnostic sur les mobilités, quand on voit comment nos anciens avaient créé un réseau ferroviaire qui était parfaitement équilibré sur le territoire, il n'y avait pas que des réseaux étoilés et finalement qui a été abandonné. Maintenant, c'est envahi d'arbres, de ronces et c'est quand même terrible. C'est-à-dire que si nos anciens qui l'ont construit il y a un peu plus d'un siècle revenaient aujourd'hui, ils seraient vraiment bien malheureux. Donc après, à nous de voir comment on peut réutiliser éventuellement ces voies-là, parce que pourquoi on n'en ferait pas des voies cyclables. Alors, quand on voit l'inertie de SNCF, quand on veut reprendre une voie ferrée, comme c'est le cas entre Sully-sur-Loire et Bourges, mais là, ça demande un temps fou et on se pose des questions alors qu'il n'y a pas de questions à se poser. C'est-à-dire que si une collectivité veut s'emparer du sujet, je pense au département, parce que c'est notre rôle aussi d'être dans ce domaine-là, pourquoi ne pas créer des voies cyclables sur toutes ces anciennes voies ferrées? On a les moyens. Ça peut peser lourd, mais en tout cas, on peut se donner les moyens de le faire. Alors effectivement, sur ce sujet-là, on est d'accord sur cet abandon du service. L'abandon du service public, effectivement, c'est un peu dommage. Et puis, sur le reste de propos, effectivement, vous le constatez. Sur Pauline Martin, sur le non-recours au droit. Oui, je reste persuadée que sur le non-recours au droit, l'objectif qu'on essaye d'atteindre dans la transformation des politiques sociales sur le dossier social unique devrait nous aider. Hier, j'étais au lancement, ou en tout cas à la visite du haut-commissaire à l'emploi et qui venait présenter fameux France Travail. J'ai pas mal insisté sur ce point, et ça fait partie des critères aujourd'hui, identifier les personnes qui n'ont pas recours à leurs droits dans ce cadre-là. Donc je pense qu'on devrait réussir à développer quelque chose de plus factuel et efficace avec cette nouvelle politique France Travail. Tout à fait. Donc, très bien. OK, merci. Donc Francis Camal avait demandé la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. C'était juste pour apporter une petite précision sur les interventions autour de la mobilité et plus précisément sur la liaison ferroviaire au départ d'Orléans. On parle effectivement beaucoup de la liaison entre Orléans et Châteauneuf. Le président Bonneau s'est engagé à ce que la liaison aille un peu plus loin, territoire qui me concerne, puisqu'on parle de liaison entre Orléans, Châteauneuf et Gien. Pour une raison toute simple, c'est que les difficultés de mobilité, elles sont évidentes dans nos territoires et nos territoires ruraux. Le Giennois n'échappe pas à cette règle. Nous sommes aujourd'hui contraints de constater que la population diminue, que les Giennois se rapprochent de plus en plus de la métropole orléanaise, voire même de la grande couronne parisienne, pour avoir accès et à la formation, à l'emploi, à la santé, etc. Donc, les échanges que nous avons eus avec la région ont abouti à la prise en compte du Giennois dans cette liaison ferroviaire. Et le président Bonneau s'est engagé l'année dernière, lors de l'Assemblée générale de l'Association des Amis du Rail du Giennois, à intégrer Gien dans les études, intégrer ces propositions dans le cadre du contrat de plan État-région qui aurait dû être signé et qui devra être signé a priori avant l'été prochain.
Et enfin, le vice-président délégué au transport et mobilité de la région, lui également, s'est engagé à ce que la liaison s'entende entre Orléans, Châteauneuf et Gien. Voilà, je voulais apporter cette petite précision, Monsieur le Président. Bon, vous êtes sûr que la personne qui vous a parlé n'avait pas un costume rouge avec une barbe blanche ? Non, mais... A priori, non. A priori, non, puisque était présent à cette Assemblée générale le sénateur Sueur et le président de la région, François Bonneau. Maintenant, je vous accorde le fait que ça fait quand même quelques dizaines d'années qu'on en parle. On ne voit pas grand-chose venir, et je vois ma collègue Florence Galzin, avec qui on échange régulièrement sur le sujet. C'est effectivement une inquiétude, et quand Hervé Gora ou Hugues Sory expliquent qu'il faut peut-être que le département prenne à son compte cette liaison, effectivement, ça irait peut-être un peu plus vite. Eh oui, ben oui, enfin, non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai écrit à François Bonneau la semaine dernière pour lui demander l'agenda, un agenda précis, enfin, le plus précis possible, de ces réouvertures de lignes Orléans-Chartres, parce qu'il y a Orléans-Chartres aussi, il ne faut pas l'oublier. Ou alors on nous dit que la ligne, ça y est, on n'en parle plus et c'est fini. Et Orléans, Châteauneuf-sur-Loire, mais je veux bien entendre Gien, parce qu'il a annoncé, a priori, la région a annoncé Gien. Voilà, je m'interroge, je veux savoir, est-ce qu'on pourrait avoir un balisage de des différents temps pour la réalisation de ces travaux ? Parce que, effectivement, ça fait une vingtaine d'années qu'on en parle, Florence. Une bonne vingtaine d'années. Bon, et voilà, il y a des obstacles, c'est vrai. Et lorsqu'on a parlé de la déviation dite de Jargeau, les obstacles sont nombreux depuis des années. Ils ont paru parfois insurmontables. Mais. Quand même, malgré tout, nous y sommes allés. Nous avons continué la démarche. Et c'est coûteux. C'est très coûteux. Mais ça va être fait, puisque là, le pont, il est en train de s'assembler sur la rive du côté de Mardier. Il sera projeté sur les piles de pont à partir de février. Donc, cette infrastructure, elle va voir le jour. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi ça n'avance pas plus vite du côté de la région pour remettre en service. En plus, l'emprise est là. Et pourquoi ça n'avance pas plus vite ? Moi, je suis vraiment, ça me surprend d'être dans un temps aussi long, et surtout que ce soit silence radio. On n'en parle plus. Alors on en reparle de temps en temps. Parfois, je crois qu'on va peut-être en reparler. Je dirais peut-être en 2027. Je pense que ça sera le moment d'en reparler parce qu'on en a parlé, je crois, en 2020. Donc, et puis on a dû en parler aussi. Je compte de 6 ans en 6 ans. Donc. Voilà, non, mais je caricature un peu le propos, mais volontairement, parce que ça fait une vingtaine d'années que ça existe, qu'on est sur ce sujet. Oui, j'ai vu Aude Denisot qui levait le doigt. D'autant que, si je peux me permettre, pour forcer le trait, il me semble que l'une des priorités du président Bonneau, c'est et la solidarité envers les personnes et les solutions collectives en matière d'écologie pour les transports. Et que entre Gien et le bout du département, qui est aussi le bout de la région, entre Beaulieu-sur-Loire et Gien, il y a quand même 25 kilomètres. Donc si on n'emmène pas le train jusqu'à Gien, une grande partie des habitants ne seront pas correctement desservis. Et il est essentiel, on avait réunion hier au sujet des mobilités, de travailler à ce sujet. Voilà, pour le bien de tous les Loiretains, sans distinction. Je pense qu'il ne faut pas de promesses non tenues, parce que les annonces, il faut en faire quand on est sûr de pouvoir engager. C'est-à-dire que là, lorsqu'on fait notre schéma des mobilités, Hervé, donc, il y aura, vous verrez, on sanctuarise des sommes financières, des masses financières importantes. Le travail, il va s'engager avec les intercommunalités, avec les communes, où là, on met carte sur table. C'est-à-dire qu'on dit aux communes et aux intercos, fournissez-nous le foncier et nous réaliserons la voie elle-même. Donc, et il y a déjà des projets qui avancent. Bon, le projet Orme-Brissy, bon, celui-là était déjà engagé. Donc là, moi, j'ai eu confirmation que la métropole mettra aussi les moyens qu'il faut pour arriver sur la partie métropolitaine. Mais nous, on ferons alors, il y aura des cofinancements. Je sais que entre Gien et Briard, vous êtes partant pour avoir aussi une voie dédiée aux cyclistes, enfin, aux mobilités douces. Et voilà, je pense que la construction va se faire tous ensemble et on avancera.
Voilà, mais je pense qu'on ne peut pas rester dans l'incertitude sur la voie ferrée, parce que c'est aussi un élément important de la mobilité. Dans l'enquête territoriale, on constate qu'il y a des zones blanches au niveau du transport collectif, et ce n'est pas normal. Les zones blanches, alors je ne vais pas parler du Pitivray, mais un petit peu quand même. Ça surprend le bureau d'études, qui a une vision, je veux dire, externe, donc on ne peut pas l'accuser d'être pour ou contre un tel ou un tel. Mais il y a des zones qui ne sont pas du tout desservies par du transport collectif, ne serait-ce qu'un petit bus, un minibus. Pourquoi pas imaginer des minibus électriques? On aura une mobilité qui sera décarbonée. Mais ça aussi, il faut qu'on discute avec la région. Donc, c'est la raison pour laquelle on va s'approcher de la région et puis interroger et travailler ensemble. Mais on ne va pas tout faire non plus. Il faut que, du côté de la région, ça réponde favorablement. Mais c'est un vrai sujet. La mobilité, ça concerne... On s'empare du sujet. On nous dit, voilà, la mobilité, ce n'est pas vous, c'est laisser faire la région. Ben non, parce que ça n'avance pas. Donc, on fait. Donc, on avance. Je suis pas en colère, hein, du tout, mais c'est un constat, parce que c'est, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin. Et quand le maire de Gien nous dit, Aude sur Briard, il faut penser à nous, bah oui, c'est vrai. Parce que faire Orléans-Gien à vélo, ça existe, hein, il y a la Loire à vélo, mais c'est un peu long. Puis il faut pédaler. Et juste une anecdote, vous voyez, ma voiture est en panne actuellement. Pour venir ici ce matin, ça m'a été très compliqué, il a fallu que je me fasse prêter une voiture, vous voyez. Co-voiturage. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et le bus, voilà, c'est long. Et covoiturage, voilà. Bientôt, il y aura des lignes de covoiturage. Mais covoiturage, ça implique que je puisse déjà me transporter jusqu'à un collègue. Sans que... voilà, il y a beaucoup de distance dans nos campagnes. Bien, j'avais Anne Gabory. Oui, sous forme un peu de clin d'œil, mais quand même, je pense que ça mérite d'être souligné. Je sais que ça ne reviendra pas, mais vous mentionniez tout à l'heure le bon sens de nos anciens, quelque part. Je voulais juste mentionner que dans le secteur sud-ouest du département, même au-delà de la limite Loiret, auparavant, il y avait un tramway qui allait jusqu'à Orléans. Et on a des places partout qui s'appellent Place de la Gare, etc. Ça a disparu, et bien sûr, aujourd'hui, je pense que ce serait plus possible, mais il y avait quand même du bon sens. Et dans nos territoires ruraux éloignés, il y avait un tramway qui nous emmenait à Orléans. Voilà. Même à Ligny-le-Ribault, en pleine Sologne. Même à Ligny-le-Ribault et même au-delà, même dans Loir-et-Cher, ça allait jusque dans Loir-et-Cher. Alors c'est une réflexion qui n'a pas de sens puisque ça n'existera plus, mais c'est quand même quelque chose qui mérite d'être souligné et qui venait bien sûr régler tous les problèmes de déplacement. Bien, merci pour toutes ces réflexions. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Sinon, il est 11h, je vous propose de... clore cette séance d'ouverture. Alors, les présidents de commission peuvent réunir leur commission. N'oubliez pas qu'à 11h30, il y a les départs en retraite de nos agents. Donc, on leur remet des petits cadeaux. La cérémonie, je cherchais le mot, de départ en retraite donc de nos agents. Et donc, ils sont, je crois, 70 à peu près. Donc, on leur mettra des petits cadeaux. On fera des photos. Ensuite, déjeuner rue de la Bretonnerie à partir de, je pense, ça sera peut-être 12h45. Et donc après, reprise des travaux à 14h30 jusqu'à 16h30, puisque là, on a des impératifs. Donc nous arrêterons la session à 16h30 aujourd'hui et il y aura reprise demain matin à 9h30. Voilà, donc allez-y. Oui, donc en commission et ensuite, pour ceux qui le peuvent, avec nos agents retraités à 11h30 dans le hall. Et puis ensuite, déjeuner rue de la Bretonnerie. Voilà, merci à vous.